pas ça, pas ça. On va rien casser, nous on se bat pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Nous, parce qu'on est, parce qu'on est plus dans un pays démocratique. Ils ont peur qu'on fasse tomber leur régime de voleurs. C'est tous des voleurs. La réponse est avec des bombes lacrymogènes. Exactement, bombes lacrymogènes. Moi je me suis fait tirer 4 fois dessus, une fois dans l'épaule, une fois dans le pied, une fois ici et une fois là. C'est pour dire que j'en ai pris encore une dans la main. On est de la viande pour eux. On n'est pas de. Les droits de l'homme sont bafoués en France. Mais les médias, monsieur, les médias PFM, ça travaille avec le président, ça mange ensemble. C'est tous défendus. Ils font montrer uniquement les choses qui les intéressent et qui nous mènent nous dans la merde, qui mettent les gilets jaunes, alors que nous on est pacifistes. On est là pour revendiquer nos droits, on veut changer la présidence, on veut changer le gouvernement. Tout ce qu'il y a dans l'hémicycle. On a un gouvernement défendu. Écoutez, il y a 13 régions. On va nommer 13 personnes et avec ça, je pense qu'on pourra refaire un autre gouvernement. Depuis ce matin pour venir, et je suis venu aujourd'hui pour apporter des soins pour les civils qui vont être encore une fois blessés par les CRS comme d'habitude. Moi je travaille à Roissy, toi je suis à la base je suis délégué syndical, peu importe. Moi j'ai retiré mon étiquette syndicale, je suis venu ici comme je suis venu samedi dernier en tant que pacifique, hors politique, citoyen. En tant que citoyen pour me battre pacifiquement pour montrer nos droits. Et regarde, le résultat, c'est quoi? On se fait gazer, on se fait matraquer, on se fait bombarder d'eau, on se fait empêcher de circuler en tant que citoyen, alors qu'en France, on est censé être libre. Regarde, mais cours, putain! À la mort, bravo, hein. Ah, dites-moi ce qu'ils pensent là, pourquoi moi je suis pas d'accord ce qu'ils sont en train de faire là. C'est des gens qui manifestent pour leurs droits. Je suis pas d'accord. Ils font de la politique, ils font de maths. Ça me dégoûte. Ils se rendent pas compte que c'est des pions. Ils défendent des politiciens qui se mettent bien ce qu'il faut dans les poches. Et voilà, c'est parce qu'ils réfléchissent, parce qu'ils ont un devoir, voilà, c'est inscrit dans leur. Dans leur code de travail. Et du coup, ils sont formatés comme ça, et voilà. Moi, voilà. Enfin, ils respectent les ordres. Respectent les ordres. Sauf qu'à un moment, les ordres, quand tu vois que. Bah autour, je sais pas, ils doivent avoir des gens autour d'eux qui sont en mode galère. Enfin, je veux dire, il doit y avoir des gens. On est en France, enfin, il y en a des gens qui galèrent. Eux-mêmes sont en mode galère. Bah eux-mêmes sont en mode galère, eux-mêmes, il y en a, genre. Donc les lunettes, il a écrasé les lunettes de la dame, hein, son masque. Bon hein. Attends, c'est un CRS qui a écrasé les lunettes. Ah ouais. Ah bah c'est la police, le monsieur. Vous parlez d'interpellation. Ils ont les matraques, ils ont tout ce qu'il faut, nous on a rien. Moi je vais juste manger dans mon sac. Donc du coup ils chargent, ils balancent des fumigènes, ils nous matraquent. Voilà. C'est juste pour éviter qu'on puisse forcer les barrages. Les gens ils sont venus à 8h du matin, ouais. Ils se sont assis normalement et c'est les flics qui ont commencé à gazer. En premier. Dis-moi tu fais quoi là? Tu donnes des petits masques pour le gaz. Ouais, tu le donnes ça aux manifestants. À tous les manifestants. Et ça, gratuitement. Bah oui. Bravo. Bah oui. Bravo. Continue, regarde là. La soleil, on va pas se laisser faire. Gilet rouge, jaune, parce qu'on n'est pas différents en fait.
on n'est pas différents, on est tous de la même classe sociale et on subit tous depuis 30-40 ans la même politique de destruction, la désertification des campagnes, la baisse des salaires, le gel des points d'indice, la hausse de la TVA, la hausse des prix, tout ça. Je veux dire, gilet jaune, gilet orange, il n'y a pas de différence, on est pareil, il n'y a pas de raison que nous, on soit sur nos grands chevaux et qu'on est les syndicats, jamais on ne se mêlera à la populace pour aller se battre contre le pouvoir. Bah, bien sûr que si, on va se mêler avec tous les gens qui veulent se battre contre le pouvoir, parce que c'est le pouvoir qui nous casse, c'est le pouvoir qui casse tout le monde, c'est le pouvoir qui est en train de, taper sur tout le monde, et c'est pour ça que ces gens-là, ils sont là dans la rue. Pourquoi ils nous accueillent avec la violence? Parce que quel est le bras armé du pouvoir? C'est ceux qui nous balancent des lacrymos. Et ils sont là pour nous faire rentrer à la maison et qu'on aille tout tranquillement regarder BFM TV et qu'on se taise. Eh ben on va pas se taire, on est beaucoup trop nombreux pour se taire et on va le niquer maintenant. Ah. Ouais, démissionne Manu, démissionne. Pendaison Manu. Parce que ça fait des années qu'on nous prend du pognon, on nous prend. On nous en donne de moins en moins. Et on peut plus s'en sortir quoi. Les chiens de Macron qui nous ont accueillis. Avec quoi? Ils parlent de l'écologie et le kérosène sur le. Ouais, j'y vais. Sur ça, ouais. Non, nous sommes du bois à chair. Zabir. Près d'Orléans. On a encore le sourire, ça ils peuvent pas nous le retirer. L'inverse, ils montrent ce qu'ils montrent à la télé. Regarde, ouais. Regarde autour de toi. Il y a le sourire, hein, ouais. Il y en a qui ont des cheveux blancs et tout. C'est pas le profil des casseurs. Mais on montre qu'on est là et qu'il peut pas nous écraser comme il écraserait des mouches. Et merci à tous ceux qui sont venus de loin.